Mathis, enchanté. Entrez. Ça va, vous n'avez pas eu de problème? Non, ça va, ça va, nickel. Merci. On va se mettre là. Donc, c'est un projet de film. Oui, c'est ça, exactement. Donnez-moi ça, on va voir. Voilà, donc, le scénario. Le marabout de Bagnolet. Bon, c'est quoi l'histoire, en gros? Alors, l'histoire, c'est un marabout à Bagnolet. Mmh. Ça fait des années qu'il est en place, qui sévit, qui arnaque les gens. Bon, c'est un court-métrage, un moyen-métrage? Alors, ça serait plus un documentaire. Ah, un documentaire. Voilà, un documentaire. Parce qu'il faudrait le coincer ah. Et le prendre en flagrant délit. Et pourquoi vous voulez vraiment le plan d'un frère en flagrant délit? C'est une histoire... C'est une histoire personnelle, d'abord. Donc, moi, j'ai été victime de ça. Mmh, mmh. Ma famille a été victime de ça. Beaucoup de personnes à Bagnolet ont été victimes de ça. Donc, il faut vraiment que ça cesse. Mmh. Voilà, donc c'est... Voilà, vous pouvez voir, hein, professeur de Couré. Ah! D'accord. Professeur Doucouré. Grand voyant médium, parmi nous, satisfaction 48 heures maximum. Ah ben ça va. Donc en fait, vous voulez le coincer? Voilà, il faut le coincer, absolument. En caméra cachée. En caméra cachée. Bon, je vous dis, je vous cache pas que la caméra cachée, c'est très compliqué. Hein. Dans le milieu du cinéma, enfin plutôt de la télévision. Vous avez quel âge? 19 ans. Ouais. Vous avez réalisé déjà des... Des clips. Oui. Jamais de... C'est mon premier, ce serait mon premier. Hein. Oui. Bon, alors, je vais vous dire, jamais une chaîne va prendre un jeune réalisateur pour tourner en caméra cachée. Je vous explique, c'est du travail d'investigation, donc c'est du travail de journalisme, et donc on est très loin de la fiction là, donc ils vont vouloir être sécurisés par rapport à l'histoire, donc je ne peux pas envoyer comme ça un jeune réalisateur de 19 ans en caméra cachée à Bagnolet, jamais ils vont accepter une histoire comme ça. Mais votre histoire est bonne, hein? Votre histoire est excellente. Mais ça, vous savez, c'est un système, les chaînes. Envoyé spécial, cache investigation, c'est très formaté. Et donc, ils ne vont jamais envoyer un jeune réalisateur qui n'a jamais fait de... Si je peux faire, mon projet est bon, Mais en fait, une chaîne, et moi, si je n'ai pas une chaîne pour financer le projet, je ne peux pas le financer. C'est votre travail après ça, moi. Je vous donne les obstacles qui vont se présenter à moi. Les chaînes ne vont jamais prendre votre sujet. Un jeune réalisateur de 19 ans qui a fait des clips et qui veut tourner l'histoire d'un marabout en caméra cachée, ça va jamais fonctionner. J'ai envie de vous dire, c'est toujours pareil avec vous, les producteurs, le même projet. Moi, j'essaie justement de vous préserver pour pas qu'on aille comme ça, vous faire faussement espérer. Jamais ils vont prendre. Donc, vous avez 19 ans, vous êtes jeune, votre histoire est bien. Si mon histoire est bien. Écoutez, c'est toujours pareil. C'est bon. Merci, au revoir. Professeur Doucouré. Professeur Doucouré, je t'en fous. Professeur Doucouré, satisfaction 48 heures, salam alaikum. Non, ça pas satisfaction 48 heures, non, oui, non, c'est ta femme. Non, mais tu te fiches de moi, hein. Tu te fiches vraiment de moi. Hein. Tu m'as dit que tu avais arrêté toutes tes conneries, et visiblement, non. Devine, je viens de recevoir un petit jeune qui a envie de faire un reportage en caméra cachée sur tes actions illicites. Ah non, ma chérie, mais qu'est-ce que tu me fais? Ah non, moi je t'ai dit que j'ai arrêté, mais tu me crois pas. Donc là, j'ai ta photo avec ton petit chapeau. Mais qui est-ce qui vient te dire des conneries encore?
un petit jeune que tu as arnaqué, enfin tu as arnaqué tout le monde, lui, sa famille, sa femme, sa mère, sa sœur, il est furieux. Escroquer qui? Qui? Lui, sa famille, son truc? Mais c'est son problème. Il est parti comme un fou, il pense qu'à un truc, c'est te prendre en flagrant délit en caméra cachée. N'écoute pas les gens, le monsieur il veut gagner de l'argent sur moi, il laisse le faire ce colonie, ce film, moi je m'en fous, je n'ai rien fait, t'es je n'ai rien fini. Fait. Tu m'avais dit que tu avais arrêté, en fait tu racontes n'importe quoi en plus. Tu m'as vu faire, tu m'as vu faire, tu m'as vu faire. Est-ce que tu m'as vu faire? Photo, là en plein. Non mais attends, t'as peur de rien. Hein. T'as donné un numéro de téléphone, cette adresse, je sais pas d'où ça sort. Oui, c'est ça, satisfaction 48. Tu sais que je t'aime, ma chérie. Non, c'est pas comme ça qu'il faut gérer les choses. Ne crois pas aux gens. Il veut gagner l'argent sur mon dos. Laisse-le gagner l'argent. Mais c'est son problème, c'est pas mon problème. Non, non, il n'y a pas de ma chérie là. Je veux plus t'entendre. Moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Bon, on va en parler ce soir. Ce soir, on va en parler. Non, ce soir. Non, il n'y a pas de... on voit ça ce soir à la maison. Tu plies tes affaires, tu fermes ton téléphone portable, tu coupes la ligne et puis tu reprends ta tête normale là parce que tu as l'air de n'importe quoi. Donc maintenant, ça suffit. Mais non. La première boîte de production à laquelle il va frapper, il va prendre son projet. Je t'ai dit que j'ai arrêté. Crois-moi. Ma chérie. Moi j'ai arrêté. Non, alors tu vas finir en prison et je vais finir en prison aussi parce qu'ils vont faire le lien. Non, on va pas jusqu'à ce point. Non, on va pas aller en prison. Mais qu'est-ce que tu parles de prison quoi? Qu'est-ce que je vais aller foutre en prison? Mais moi j'ai rien fait, j'ai pas escroqué quelqu'un, j'ai rien fait. Si c'est ça, je vais le jeter au sort. Moi je vais le jeter au sort si c'est ça. Je sais que je peux faire ça. Tu m'avais promis que c'était terminé. C'est la dernière fois, tu m'entends? La dernière mais fois. Mais j'ai rien fait, là j'ai arrêté. Je t'ai dit que j'ai arrêté. Bon, tu vas raccrocher. Allez, au revoir. C'est bon. Mais non, mais ces gens-là sont malades, oui, il veut foutre la merde. Mais pourquoi il vient pas me voir? C'est pas un homme celui-là. Pourquoi aller voir ma femme? Détourner mon foyer? Hein? Comme ça là, comme ça. Elle va pas comprendre, j'ai dit tout dit, elle comprend pas. Là, il faut que je lui batte parce que là c'est chaud. Non, c'est mal parti pour moi. Ma femme là, elle va me tuer ce soir, mais non. Purée. Ah! Non. Mon argent! Tout. Et le problème est là, c'est l'argent là même, il est là. Oh là, mon argent. Ah! Je travaille pour ça, elle me fout tout dans la merde. Et voilà. Et l'argent! Mais, elle va me faire chier ce soir, mais moi j'ai mon argent.